tous, bienvenue sur la chaîne Virge, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu deux toiles de chez AliExpress. On regarde ça ensemble tout de suite. Alors, la première. Alors, ça fait quelques jours, j'ai reçu les toiles, mais que je ne les ai pas ouvertes. Vous voyez, pour les ouvrir avec vous. Alors, celle-ci, je viens de voir ce que c'était. Donc, on va regarder tout de suite. Toutou, AliExpress. Alors, celle-ci, c'est une Evershine en 30-40. Alors, elle est arrivée, donc c'est en diamant carré. Donc, elle est arrivée en zippé. Hein, tous les sachets en sachet zippé. Le toolkit, donc c'est la petite pince qui ne sert pas à grand-chose. Bien que j'ai essayé avec de la pâte polymère et ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, je suis très étonnée. Donc, à nœud, oui, mais si on la customise, on la rend plus dure. Et du coup, elle est plutôt pas mal. Voilà. Donc, la petite barquette avec le petit béquet. Le stylet blanc avec la mousse. Les deux pains de colle. Oui, ils en ont mis deux. Il y a deux multiplaceurs. Alors, pareil que les autres, hein, je vous ai montré une technique où vous allez le voir dans une prochaine vidéo, je l'ai montré. Je vais vous laisser le temps de la prendre en photo. Comme ça, si vous voulez la retrouver chez n'importe quel vendeur, comme ça, vous pouvez comparer les prix chez les vendeurs, vous pourrez la prendre en photo. Je laisse tout le temps, je vous laisse un peu de temps sur la temps. Vous savez que chez AliExpress, ils ont fait un nouveau truc qui est, vous pouvez prendre la photo. Et vous la mettez, vous retrouvez la photo chez tous les vendeurs chez qui elle est. Donc, celle-ci, c'est une danseuse. Enfin, c'est un couple de danseurs. Voilà. Sur le groupe, on a un défi danseuse. Et j'ai pas voulu prendre, vous savez, les trucs traditionnels. J'ai voulu partir sur autre chose. En fait, je regarde même plus le nom forcément des vendeurs. Maintenant, je regarde plus la toile en elle-même. Voilà. Alors, on va l'ouvrir comme ça. Alors, chez Evershine, ils sont déjà prédécoupés. Pour les remettre, j'aime pas trop leur système. Voilà. Un tout petit peu. Voilà, c'est un couple de danseurs. Alors la toile, elle est nickel, elle colle super bien, elle a zéro défaut. Je vais vous remontrer la photo. Je vais d'abord essayer de remettre ça correctement. Alors bon, elle n'a pas de feuille de route, mais je vais essayer de bien vous montrer l'image. Alors après, si la toile vous intéresse et que vous n'avez pas réussi à la scanner, enfin à la prendre,
Vous me le dites, hein, je vous ferai une photo. Non, c'est la pâte feuille de route. Je vous ferai une photo ou vous enverrez le lien du vendeur. Voilà. Ce que je peux éventuellement faire aussi, c'est peut-être vous la montrer de la tablette. Alors. Voilà. Voilà. Je laisse le temps de la prendre en photo. Voilà. Je la trouve super belle. Ça fait un couple de danseurs sous la neige. Et moi, j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai vraiment trouvé très très jolie. Je me suis dit, ça change d'une danseuse en une danseuse ballerine, enfin, etc. Là, ça fait... voilà, ça change un peu. Et ensuite, la seconde. Ah, c'est la toile. Avec la toile AB, celle-là. Bon, là, j'ai comme un bug parce que je vais vous montrer quelque chose. Alors, ici, c'est une toile dite en AB. Voilà. Alors, sauf que je viens de me rendre compte qu'au final, il n'y a que 3 couleurs en AB. Mais par contre, la toile est bizarroïde. Bon. Je vais déjà vous montrer le tool kit. Donc, c'est le stylet rose, la petite barquette avec le béquet et 2 petits pas de colle qui sont bien abîmés. Et ensuite, c'est une 26 couleurs. Donc, j'ai que 3 couleurs en AB. Donc, le 24, 25, 26. Mais alors, la toile, alors, vous la voyez par vous-même. Regardez, elle est toute biseautée. Et à l'extérieur, enfin, c'est pas du tout comme d'habitude. Alors, elle colle super bien. Et derrière, on dirait de la feutrine. Alors, elle se déchire pas, hein, mais on dirait de la feutrine derrière. J'ai jamais eu une toile comme ça. On dirait de la feutrine. Au toucher, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, c'est des diamants ronds. C'est tout en sachet, zippé. Alors, je vais vous dire. Bon, alors. Le vendeur, c'est Tim Ni Art Official Store. Là. Tim Ni Art Official Store.
J'ai payé 6,61 € et le modèle, c'est... Celui-ci, c'est le nénuphar avec le petit Bouddha à l'intérieur dans l'eau. Voilà, alors je pensais que c'était une toile toute en AB. C'est pas une toile toute en AB. Et ouais, ça, là, c'est la feutrine en dessous. Et du coup, en AB, on a les oranges. Ah, il n'y a pas grand-chose en AB. Hein. On a les oranges. Vous voyez, les rouges et les blancs. Les blancs, les rouges, voilà, les trois derniers. Tout le reste, c'est du rond, hein, mais c'est du normal. Et alors, donc, le blanc, c'est quoi le blanc comme couleur? W. Ouais, il y a quelques W ici, dans le nénuphar. Le X, donc ici. Juste ici et ici. Pas grand chose. Ah ouais, bah vous voyez, quand on la voit comme ça, je trouve qu'elle faisait. Pour moi, c'était une toile complètement en AB. Je m'étais dit, elle va rendre magnifiquement bien parce que regardez le flashy qu'elle pouvait avoir. Voilà, et c'est pas le cas. Bon. Alors, je suis déçue sans être déçue parce que je la trouve très jolie. On est bien d'accord, elle est très jolie. C'est une matière que je connais pas, donc ça m'intéresse beaucoup de connaître d'autres matières, de connaître d'autres matières. Voilà. Mais effectivement, je suis un peu déçue que c'est pas de la B totalement. Voilà. Et du coup, c'est une 26 couleurs. Alors, est-ce qu'ici, ça, c'est le numéro de la toile et l'autre? Et là, c'est le même numéro de toile, donc c'est bon. Alors, hop. Donc, je vais le laisser dedans, du coup, pour pouvoir garder le numéro de la toile. Ça, je vais garder comme ça. Et la toile, je vais garder comme ça. Bon, bah, vous la verrez bientôt sur ma chaîne. Enfin, bientôt. Vous la verrez sur ma chaîne d'ici un petit moment. Hein. Je pense que celle-là, je vais vite la faire. Ouais, je suis pressée de voir ce que ça donne. Et vous savez, même ici, ce côté-ci, côté là où c'est... Alors, la toile reste pareil, mais côté blanc, celui-ci, là, vous savez, ce côté-là, le contour, ouais, il y a un... Pas la même matière du tout. Pas du tout la même matière. Ça me perturbe. C'est une 30-30, hein, j'ai oublié de vous dire. Voilà. Dites-moi hein, si vous avez déjà eu des toiles de cette matière un peu style feutrine à l'extérieur. Enfin, à l'extérieur, en dessous. Dites-moi si vous avez déjà eu ce style de toile. Et est-ce que vous avez déjà fait des toiles en complet AB? Si vous avez déjà fait des toiles en AB que vous avez trouvées sur AliExpress ou Amazon, je sais pas, une toile pas trop chère, hein, en AB complète avec de l'AB, si vous pouviez m'envoyer les liens, ça m'intéresserait beaucoup. Je cherche à faire une toile en AB où est-ce qu'il y a que de l'AB, voir un peu ce que ça rend une toile tout en AB. Alors après, vous allez me dire, ma Virginie, voilà, des bleus, si tu voulais absolument de l'AB dans tes bleus, tu peux acheter... du bleu en AB voilà, oui, oui certes, mais j'aurais voulu trouver une toile avec de l'AB partout, voilà, est-ce que ça existait tout en fait, complètement le kit complet. Voilà, sur ce ma vidéo est terminée, je vous dis à bientôt, je vous embrasse bien fort, en attendant, prenez soin de vous, bye bye tout le monde.